C'est pas rien, ça, quand même. La fin du monde. Pourtant, c'est pas comme si on l'avait pas vu venir, hein. Une catastrophe nucléaire, puis une autre, puis plein d'autres. Et c'est l'apocalypse. C'était pas visible au fond. Par contre, personne ne les avait vus venir. Des zombies, comme dans les films. Sauf que là, bah, c'est la réalité. Ma famille, mes amis, tous sont devenus des zombies. Quand tout ça a commencé, je voulais en finir. Trouver une arme et me mettre une balle dans la tête. Mais j'ai pas pu, non. J'ai pas pu. J'ai survécu à la fin du monde. Peut-être que c'est un signe, peut-être pas. En tout cas, je suis encore là. Je me retrouve seul, et je sais pas exactement pourquoi, mais j'ai survécu. Et j'ai décidé de me battre. Je dois survivre. Je me laisserai pas faire. Non, je n'abandonnerai pas. Tant que je pourrai mettre un pied devant l'autre, je continuerai. Coûte que coûte. Rien ne m'arrêtera. Je les tuerai tous s'il le faut. Je sais qu'ils sont des milliers, mais je dois essayer. Je suis peut-être seul, ouais, mais je suis pas encore mort. Je m'appelle Link Thanos, et je suis un survivant. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le jeu 7 Days to Die. Je suis Link Thanos et je serai accompagné durant cette vidéo par deux compagnons, à savoir Faster, salut Faster. Hello. Et Sokar, salut Sokar. Pendant que je casse un arbre et que ça fait salut à toi. Bruit. Et alors on se retrouve pour un renouveau, un reboot on va dire, parce qu'en fait il y a une grosse mise à jour on va dire sur 7 Days to Die. Et on a un petit serveur dédié et la map n'est plus du tout la même. Ce qui fait qu'on a perdu tout ce qu'on avait fait avant. Donc pour le coup on recommence à zéro. Et alors on voulait vous montrer, il y a une nouvelle façon de faire des blocs en fait. On ne peut plus faire de planches, avant vous saviez, on posait les troncs, ce qui nous donnait des blocs de bois, ce qui nous donnait des planches. Et non, maintenant regardez, ça nous donne directement des planches. Donc voilà, c'est assez nouveau. Et donc alors après avec ces planches on peut faire hop là, je vais en récupérer assez pour en faire un wood frame, c'est ça, ce qui donne ça là. Et après en fait en faisant un clic droit, alors je vais en faire un là vite fait. Regardez, hop, on fait le bloc, voilà, comme ça, tout simplement. C'est nouveau, c'est comme ça, ça c'est chouette. Donc on va faire une petite maison ici, pour l'instant, pour commencer. Ah ouais, d'accord, ok. Et voilà, et si vous avez du scrap iron dans votre inventaire, si vous en avez, et ben ça vous permet d'en faire plus encore. De pouvoir mettre du bois renforcé avec du fer, voilà, c'est vraiment le... On vient d'approcher, mec. Il est en mode chasse, enculé. Ah ouais, c'est un gros en plus, la session, les balours. Ouais. Et il y a des machins des neiges aussi maintenant. Ouais, bah, ils ont toujours été là, eux. Ah bon ? J'ai ouais. Jamais fait gaffe. Bah, c'est comme les gros, mais. LOL ! En mode neige, quoi. Le mec, il m'a mis une droite, quoi. Ah bah, direct, quoi. C'était une violence. Enculé, ouais, il m'a retiré un quart de la vie en une pêche. Ah, je dois être dans le truc neige, donc je dois pas être très loin. Ouais, bon. Bon, allez, les amis, petite coupure, on se retrouve là-bas, sur jaune. Non, mais attends, le mec, il te frappe à 3 km, mec. Ah non, pas moi, moi, il m'a direct, il m'a bien allumé. Oh, un truc pour réparer et tout, c'est cool ça. Bon, allez, à toutes, les amis. Ouais, il est en train de tourner. Et Cal. Ah, si, qu'est-ce qui branle en haut, le machin. Tu me rends bas, le machin, il a pas en haut, c'est. Festive, dis donc. On va avoir des masses de plumes, donc pas que je me loupe à l'arbalète. Là, j'ai des pierres en lévitation, les gars. Normal. Hein? C'est normal. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est normal. Il y a même des arbres en lévitation dans la zone. Mais tu te desserves pas un truc en même temps, parce que moi, ça lag pas du tout, mec. Hein. Non. Non, non, mais à mon avis, c'est un bug parce que je l'ai kissé le truc. Mais c'est chaud, t'as une putain de victime quoi aujourd'hui, quoi, toi. Y'a que toi quoi qui a des problèmes. Alors, tac. Comment on crafte le lit, les mecs? Ah, faut du tissu. Moi j'en ai. Et ben normalement, il doit se mettre. Après, si ça a changé, je peux pas te dire. Ok, donc alors, bed.
Merci à un de l'aide, parce que je sais pas le plan, et vous me le dites pas. Mais non, mais même c'est si que... il a pas changé. T'as dit, on te l'a dit, je me souviens plus, je me souviens plus de tous les plans, mec. Hein. Bah voilà. C'est surtout ça le problème, c'est que. Il y a masse zombies dans la région encore, fais gaffe, Link. 4 flèches pour les trucs des montagnes pour les buter. Non, c'est des gros, ça, c'est sûr. Lee en anglais, c'est bedroom. Ah, on peut améliorer la porte aussi. Lol. Bien sûr, regarde, elle est plus épaisse que quand on se déposait. Elle a des traits au milieu alors qu'au départ elle n'en avait pas. Oh merde, j'ai oublié de faire celui-là. C'est tu vois les deux afros qui arrivent. Yves, t'as trois afros qui arrivent. Putain, des gros en plus. T'as plus de flèches? Ah non, j'en avais que 4. Attends. Je suis en train d'essayer d'en refaire. Contre 4 flèches pour un. T'as récupéré un pompe? Ouais, tout à l'heure, je voulais l'utiliser qu'en extrême secours, mais bon, je trouve que c'était une bonne occasion. Ils sont coriaces ceux-là. Comment on fait la recherche un mot sur la net, les mecs? Je me souviens plus de raccourci. Contrôle F. Tiens, c'est des flèches là, mec, si F. Tu veux. Des. Bed. Des plumes. C'est comme ça que ça s'est fait. Ah bah, j'arrive. Je vais fouiller le cadavre de ceux que j'ai tués par là-haut. Ah, c'est sac de couchage. J'ai tué ces putains de zombies. Rien à battre, moi. Alors, ah oui. Powdered Windows, voilà, il m'en faut plusieurs. Bon, peut-être que si, ça devrait le faire. Je pense que tu vas même pouvoir les améliorer, ce truc-là. Ah, tiens, moi j'ai testé. Comment vous écrivez sac de couchage? Un coffre ici, toi? En anglais. Ouais, j'ai installé un coffre ici tout à l'heure pour vu la pompe déstocker. On est parti pour aller fouiller la petite ville là-bas. Regardez, hop. Uxcare Aif. Hop. Couche ton cul. Comment que tu causes? On est parti avec Soccer pendant que Faster. Bon, il mine toujours Faster, de toute façon, c'est pas compliqué. Moi je me fais plaisir. Récupère les fleurs rouges et les fleurs jaunes au passage. Oui, parce que les fleurs rouges on peut en faire des bureaux. Je vais mettre dans les trous. Là, regarde la collection de fleurs rouges par ici. Jaunes par ici, je veux dire. Moi, là j'ai des yucca. Moi, non, c'est quoi déjà les plantes du désert là? Ah oui, les yucca. Ouais. Yucca fiber. Voilà, ben non, c'est pas fiber. Mais mais j'en ai plein en tout cas pour faire les potions magiques. Les potions magiques, non. C'est des poissons énergisantes, ça mec. Oh, les potions magiques. Ouais. Et on n'est pas dans Astérix quoi. Si, potion magique. Bon, on arrive en ville. Allez, on arrive en ville. Il y a plein de zombies à buter. Et quand on et eux, ils changeront pas de et eux, ils changeront pas de trottoir. Non, hey, ils changent regarde, pas. Regarde la masse qu'il y a. Bon, bah, t'es prêt à mourir? On a été repéré. Oui, bah, on va être repéré, je te confirme. J'ai plus de balles. J'y vais au couteau, rien à péter. Est-ce que je peux fouiller avant qu'il m'aggro? Oh oui, des médicaments. Allez, viens là, bitch. Allez, c'est l'heure du massacre. On va tous les découper. Et on va faire ça en chantant. Ta yes, gueule, Link. Tu fermes ta gueule. Allez, viens là, toi, meurs. Oh putain, là, il commence vraiment à y en avoir pas mal. Là. Toujours pas de petits tuyaux. Ni d'un petit tuyau. Et urgemment. Ah, ils m'ont blessé ces connards. Pardon. Je lui ai percé d'un sein à elle. Elle avait des prothèses pipées, j'ai vu, ça fait pfff. Quand tu lui perces pas le cul, ça ira. Putain, c'est un gros balourd là, même j'aurais besoin d'aide. Ouais, et j'ai plus de flèches, j'y suis au couteau de chasse aussi. User joined your channel. Salut toi. Ah salut Mediaux, attends. Ah ils m'ont défoncé, ils m'ont violé, ils m'ont violenté. Bon, les excursions en ville ça va être compliqué les gars. Ouf. C'est ça, c'est sûr. Oh putain. Ça va être tendu comme un... Comme un string. Ah ouais, ça va être... T'es mort toi, Soka? Que dalle. Ben moi, ouais, ils avaient deux gros sur le dos, ils m'ont défoncé, c'était blessé et tout. Ça va être compliqué. Je vais essayer de trop venir vers toi pour t'aider. Mais moi, tu vois, je vais me suicider là. Ah, la petite excursion en ville là, pouf, pouf.
Va falloir y aller à la mitraillette, je pense, parce que le monde qu'il y a, quoi. Il y a que 3 maisons. Alors dans la grosse ville, j'ose même pas imaginer, quoi. Au pire, on suicide tous comme ça, on est fou, et on va faire une excursion en ville. J'y retourne, hein. Je m'en fous, moi, par contre. Bah attends, vas-y, je fais bien d'ailleurs. Ils m'ont pas looté des trucs très très intéressants, par contre, hein. C'est pas pour toi, mon petit soccer, mais. C'est pas tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, j'essaie de leur survivre. Ah, Louis, le survive. Spine on my bedroll. Mais j'en ai une petite chie au cul en fait, je les ai tous aggro là. Oh putain, oui, je vois ça, c'est super, c'est pour aller récupérer mon sac. Hop. Mais les prendre par derrière. Ah, mon pied, ils m'ont blessé. Ouais, moi aussi, mon pied, ça pouvait plus courir. Tu voles sur carte, t'es normal. Ouais, je viens de le faire pour fouiller avant de me barrer. Ah, même pas, tu vois, j'ai même pas le temps. Allez, vite, récupère mon sac. Ça pas là, ça pas là. Oh, en plein milieu des zombies. C'est fait. Je me casse. Et là-bas, y'a plus de zombies, vas-y, je fouille la maison. T'es quoi, Wall, O-I-L? C'est un mur. Hein? Un mur? Non, O-I-L. Wall, c'est mur, c'est W-A-2-L. Wall. Ah, O-I-L, c'est l'huile. Ah, ok, bah j'ai de l'huile. Quoi que ça sert. À lubrifier. Je suis rentré par la fenêtre, les gars. Oh putain, je suis pas dans la merde. Avant le passage. Ah, y'a un zombie ici. Merde. Allez, meurs, charogne. Putain. Comment ça, tu peux courir, toi, ici? Et les mecs, si vous voulez des torches, j'en ai à Gavas. Putain, je viens d'en buter deux, là. Ah, vas-y, j'espère que j'ai trouvé un petit peu de trucs, c'est intéressant. Bon, je pourrais ramener un canapé, si je voulais, mais bon, c'est pas vraiment une touche aide. Et il me semble qu'il y a un coffre. Oh, des plimouf. Je sais pas comment j'ai fait pour récupérer ça. Yes, il y a un coffre, les gars. Et qui dit ça coffre... Ça ton cul, parce que oh, je dis... Tac, ça, pareil, allez. Ça... Là. S'ils arrivent à avoir un petit coffre, ça veut dire des armes. Qui dit des armes dit des munitions. Oh putain, des petits fusils, mais pas beaucoup de. Putain, est-ce que j'ai avoir des balles? Et vous êtes à quelle ville là? C'est des 10 mm. C'est des balles, bullet casing. D'accord, ouais, en dessous de là où on était. Putain, ah, ils m'ont blessé la jambe encore, ces connards. Là. Je garde ça. Il vient là du con, là. Putain, c'est la porte qui a pris quoi, j'hallucine. Bon, j'ai peut-être pas trop resté, j'ai pas eu trop ce que je voulais là. Là. Pas de petit tuyau, et ma zone est toujours blessée, donc va falloir vite que je me fasse du soin. Tiens, dans les toilettes. What? On va rester un petit peu. Toi aussi, t'es en train de fouiller, mon petit Soka? Ouais, j'ai trouvé un flingue. Ouais, moi aussi. Mais t'as trouvé quoi? Moi, j'ai juste un petit pistolet. Pas un petit pistolet, mais j'ai trouvé. Putain! Les munitions qui allaient avec. Putain, mais. Elle va pas mourir, cette grognasse, là! On avait la gamelle qu'on pouvait mettre au-dessus du feu pour faire bouillir l'eau. Ah, c'est cool ça. Pff. Elle m'a attaqué par derrière comme un stack, quoi. Comme ça, là. Tac. Salope, va. Son of a bitch. Yuka machin. Ouais, m'a fait un peu peur. Temps, il me semble. Attendez trop pas, j'ai vidé la moitié de mon chargeur dessus elle. La braille dehors, fais gaffe hein. Ouais, attends, mais ça arrive dans ma maison. Ah, j'ai trouvé des pilules pour Faster. Quoi? Pilule bleue. Cool. T'es un painkiller, ça remet la vie, mais petit à petit hein. Ouais, maintenant c'est plus comme avant. Ou... Faut pas être pressé. Hein. Yes, des balles. Bon, on n'a pas trouvé de petit tuyau, c'est dommageable. Oh, yes, encore un revolver. Mais on va avoir de quoi se défendre. Hein. Tiens, moi, je prends la lampe et le meuble. Je suis un voleur de lampe, rien à battre. Je m'en fous. Comment on fait l'arbalète déjà? Crossbow, tac. Bâton et tout et tout. Ah, j'ai trouvé un coffre aussi. Bon, on reviendra pour piquer. Tiens, moi je prends le petit cadre parce que c'est sympa toujours d'avoir un petit cadre. Hop, les fauteuils aussi. Pour essayer de vider le coffre, de voir le coffre. Oui, je suis un putain de voleur de tout. Il y a 5 couteaux. Voilà, oh, craft. Une dommage. Ouais, il y aura de la boue. Ah, j'ai un. C'est quoi ça? Hunting Rift. Ah, c'est un fusil. De toute façon, moi j'ai plus de place donc je vais me rentrer vite fait.
On a toujours pas trouvé de petit tuyau, c'est dommageable. Il y a une putain de cuisine ici quand même, c'est assez fou. Je sais pas si on va trouver un petit tuyau, tout ce que je sais c'est qu'il y a pas mal de zombies au niveau de la baraque où je suis. Tu veux que je vienne éclaircir un peu la zone? Au pire on peut aller faire Dierville. Ah ouais non, ça va être tendu je pense. Ouais dans la petite ville il y a trois maisons, c'est super tendu alors... Ah je suis dans le garage. Oh la pute. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous sur ma gueule. Attends j'arrive. Vas-y viens là. Moi je fais plus de vie donc Vas-y viens on se casse. Attends, j'ai... laisse-moi deux secondes au moins. Comment on fait les flèches déjà? C'est comme ça? Comme ça? On a un petit cacheton là. Merde, c'est quoi comme caillou pour faire les pointes des flèches? Je sais pas. Ah, j'ai même plus de munitions en plus pour mon pistolet. Ah, c'est quoi les cailloux Sokar pour faire les pointes des flèches? User joined your channel. Les mêmes que pour faire la hache. On est un petit peu occupé là. D'accord. Ok, pas de problème. User left your channel. Putain. Les mêmes que pour faire l'âge. Ah, les sharpstones. Ouais. Une sharpstone pour une flèche. Yes. Non, t'es sérieux? Sérieux. La vache. C'est cher la flèche. Hein. C'est quand tu veux, mon petit soukar. Hein. Ah, y'a du monde derrière nous. Hein. Et celle-là. Moi, j'ai touché. Headshot. Non, j'ai tiré dessus aussi en même temps. Bon, ouais, on se casse là. Attends, il y a quoi dans le gros? Une torche. Putain, on a pas trouvé de petit tuyau, c'est abusé. Attends, on va peut-être faire la dernière baraque maintenant qu'on a commencé à tout vider. Ouais, c'est pas faux, moi j'ai mon inventaire qui est plein. Bouge surtout pas, Link. Munitions, moi de toute façon, donc ouais, je pense qu'on va rentrer. Non, c'est bon, j'en ai encore moi. Et vas-y, viens. Enfin, j'en avais encore. Attends, oh, j'ai un petit. Munitions, on va rentrer. J'ai un petit flingue tout neuf là. Une de voir s'il y a. Fusée pompe. Bon, facile, on peut se finir au couteau là, peut-être. Cette maison, tu l'as faite ou pas? Celle de droite, c'est de la... j'en reviens. Celle où t'es là, non, j'y étais pas, j'y suis pas allé. Connard. Joli. Ça met 20 ans à craft là, c'est merde. Bon, faut voir si on trouve pas un coffre-fort dans cette baraque. Ouais. Ça serait là, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est que vraiment trouver le coffre-fort. Ah, encore des balles, yes. Je l'ai. Il est en haut, non? Non, il est en bas. Ah, il est peut-être en haut aussi alors. Ah, un petit pistolet, vas-y, de quoi j'ai pas besoin. Pire du bouquin, je m'en fous du bouquin, vas-y donne-moi petit pistolet. Non, je peux te fabriquer des balles de fusil à pompe avec ça. Ouais, mais j'ai un petit flingue, c'est quand même plus important, j'ai aussi des petites bouteilles. Ah oui, j'ai trouvé une belle arme, Link. T'as trouvé quoi? Fusil sniper. Oh, GG. Ah, pistol book, ça faut que je le garde, ça. Pistol book, attends. Il y a cette place pour le prendre, ouais. C'est bon, j'ai cette place, j'ai pris mes docks, j'en avais besoin. Ah, il y a un grand coffre. Oh putain, 30 secondes, il va falloir que tu me couvres. Je suis en train de l'ouvrir. Ah bah voilà, j'aurais de quoi faire le premier épisode. Ça va être cool. Je t'entends tirer, t'as quoi, une mitraillette ou quoi? Ça ressemble à quoi les gros coffres? Non, c'est mon pistolet ça, j'ai enchaîné les tirs. D'accord, putain, bah c'est un gros coffre tout en hauteur et tout et tout. 30 secondes pour l'ouvrir. C'est pas ce qu'il y a dedans, mais je pense que ça va envoyer du pâté quoi. Une fois j'ai trouvé un bazooka dans un coffre comme ça, on va peut-être pas tirer au bazooka mais. Et dans quelle pièce mec? En haut. Et vous êtes dans la base militaire? Non, on est pas dans la base militaire. Non, on est dans la petite ville qui est juste... Ah bah tiens, quand je parlais de bazooka. Il a trouvé des roquettes. Bazooka plus roquettes. Allez, tiens, vas-y, se pose ça, j'en ai pas besoin. Hop, le petit pistolet qui va bien. Hop, si tu veux venir récupérer des trucs en haut, c'est le moment, mec. Ah, je suis derrière toi. Regarde, c'est des trucs à traîner. Dans le coffre, si tu peux regarder. Vu que je pouvais pas prendre. Ouais, pourquoi il y a les arbres dans l'eau? Ils y étaient pas tout à l'heure. Ouais, c'est ce que je te disais. Ah non, je peux rien prendre, je suis pas. Bon, bah attends, vas-y, j'arrive. Ouais.
Non, bougez pas, bougez pas. Bah, y'a plus rien à récupérer d'intéressant et. Bah, dans le coffre. Ils ont creusé tout autour de la baraque. C'est des pauvres petits. C'est un caillou que j'ai laissé donc au pire. C'est des cailloux. Bah, c'est quoi que ce cœur devait prendre? Bah, c'est ce caillou là, parce qu'on a pas tendance à sauter de la truc, mais moi je me casse, hein. J'ai plus de balles, j'ai plus rien. Hop. Allez, hop là. Taillot. Y'a quoi dans la case? Ah, attends, je vais prendre le frigo. Allez, deux gros qui nous ont fait la peau tout à l'heure. Tiens, nourri. Merde, c'est pas les frigos ça. Là. Bon, de la merde. Ah, voilà, de la bouffe. Comment c'est pas. Je peux plus peut-être poser ça, le scorpion. Un problème, mec. Ah, Nick, t'as vu ce que j'ai dans les mains? Un souci, mec. Fusil à lunettes. Eh, Socar, t'as un problème? Je pense que les zombies nous regarderont plus de la même façon maintenant. A new recipe unlock. Ah, je peux faire des bandages. Comment tu fais des bandages? Je sais pas. Lui avec pas le tissu, seul. Je crois que c'est un seul tissu, qui permet de faire du bandage. Barnwood. Ouais. Ah t'es une pipe. Barnwood. C'est pas à quoi ça sert ça le Barnwood. Non c'est pas. Alors, ça. C'est pas où j'ai des boiselles, c'est par là. Ah c'est peut-être avec des fleurs. Attendez, ça va être ça. C'est clac clac, il y a peut-être une fleur rouge au milieu. Yes. J'arrive. Bah j'ai trouvé des trucs et tout, vous avez trouvé comment faire des blocs rouges. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, un petit peu de construction, un petit peu de PVP, etc. Moi ça m'a bien plu, je vais faire une petite pause. Et puis bah, on se retrouve pour à la prochaine pour un autre épisode de 7 Day to Die, en espérant qu'on n'ait pas de reset encore une fois. Ce serait un peu gênant, et puis bah, moi j'allais poser mon bazooka. Te pose dans le cul? Non. Mais quand c'est dit que je trouverais un bazooka. Et j'ai trouvé un bazooka. Ah, donc, c'est ça le coffre-fort. Oh le truc si, de ouf. Si on se fait attaquer. Ça, en ultime si secours, tu sais, on pourra utiliser le bazooka. Étonne. Donc, ouais. Bon, allez, ciao tout le monde. Ciao.